Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on est parti pour aller jouer le Super Saiyan Goku Movie. Une carte vraiment excellente qui fait plaisir à jouer, très clairement. Et donc je voulais tester en team Movie, forcément, je pense que c'est sa meilleure team. La deuxième team c'était une team Saiyan Strike. Et la troisième team dans laquelle on peut le jouer, mais là c'est vraiment que le côté fun, c'est la team Super Saiyan. Vous le savez, la team Super Saiyan ça fait énormément de dégâts grâce au boost de Badak. Quand on joue avec Badak et qu'on switch sur un allié Super Saiyan, il va augmenter de 20% les dégâts de cet allié Super Saiyan pendant 15 secondes et d'augmenter de 30% le taux des coups critiques pendant 15 secondes et d'augmenter de 70% les dégâts des taux critiques. Donc, en voyant ça, vous savez à quel point on va faire mal avec les coups critiques. Couplé à la cape Z du Super Vegeta, augmente de 24% les dégâts des coups critiques des classes Super Saiyan. Donc vous avez compris, lorsqu'on met un coup critique avec cette team, ça fait beaucoup de dégâts. Donc le problème de cette team, comme d'habitude, hein, si vous connaissez le jeu, vous savez, hein, défensivement parlant, c'est pas ouf, et on mise tout sur les coups critiques. Il n'y a pas de coups critiques, les dégâts sont présents, mais par contre, quand il y a un coup critique, les dégâts sont extrêmement présents. Donc le but, ça va être de voir ce qu'il donne, hein, tout simplement, dans la team Super Saiyan, dans laquelle il va encore faire plus de dégâts, parce que s'il fait un coup critique sur une spé, à mon avis, ça one-shot quasi tout le monde, sauf les violets, ou les gros tanks. Et donc, c'est parti. Alors juste, je vous préviens, la première game que vous allez voir face à la team Regen, c'est une game que j'ai tournée il y a 2-3 jours. Donc c'est pour ça que j'ai pas les mêmes points, etc. Et au final, je la trouvais intéressante. Vous allez voir, il va y avoir une belle remontada dans la première game. Et ensuite, on se retrouve avec cette team. Parce que oui, du coup, dans la première game, du coup, la team est un peu différente. Il y a Badak jaune à la place de Broly. Oh, Regen en face. Ça peut être intéressant puisque il a un passif anti-Regen. Donc là, Super Saiyan plus Regen en face, ça peut taper. Hein. Dommage ça. Dommage ça. Ah non, il n'y a pas de switch ici, mon pote. Ok, ok. Par contre, il va falloir bien jouer parce que j'ai bien envie de toucher. Oh, bien joué. Putain, j'ai bien attendu pourtant. Il a récupéré son... Bien joué, très bien joué ça. Badak, faut pas déconner. Faut pas déconner. Putain mais ah ouais, non mais le mec il attend tous les jours en fait. Oh, intéressant, une team Saiyan et j'imagine qu'il va jouer Nappa et Vegeta. Donc heureusement que j'ai un verre qui va pouvoir détruire Vegeta parce que là son Vegeta avec les boosts de Nappa ça va faire très mal. Alors bon, vous avez vu la première game face à la team Regen. À la base je comptais pas vous la montrer, je l'avais tournée il y a un ou deux jours. Et quand j'ai vu qu'il y avait quasiment le 1v3 possible et qui était quasiment là, c'est pour ça que je décide de vous la montrer quand même. Autrement nous on va partir avec le trio. Et écoutez, ça m'arrange un peu parce que je sais que j'aurai deux contre-types si je joue Nappa et Vegeta. Mais ça va faire très mal. Hein. Son Vegeta va faire très très mal. Mais ça fait plaisir de tomber sur une team un peu fun, on va dire. Même si ça peut être très fort. Ah, il commence bien avec eux. Hein.
Ça par contre c'est parfait. Ok, je vais pas switch. Ah il switch pas, ok. Ouf. Ok. Parfait ça. Ok. Oh oui monsieur. Et ça, ça nous arrange parce que ça nous permet de jouer l'aspect. Donc ça c'est très très fort le main qui arrive. Et si on tue Thalès, moi ça m'arrange hein. Ah ça l'a pas tué, il n'y a pas eu de critique sur l'aspect. Ça c'est fort dommage ça. Oh bien joué ça. Je préfère mettre le petit Oh non. Très bien joué ça. Très bien joué ça. Ok. J'en ai pas une autre moi. Non. On va se soigner. Trop tard pour moi. Mais ça passe. Ok, ça c'était pour être sûr de le tuer. Ça va le tuer je pense. Alors là va falloir faire très attention parce que s'il a son Rising Rush je suis dans la merde hein. Très clairement parce que si je me fais Rising Rush. Bien joué. Là j'aurai Rising Rush à sa place. Très clairement. Non ok, bon, bon ça s'est bien passé, on a vu des gros dégâts. Mais forcément sa team était pas super super méta. Donc si je le touchais ça faisait encore plus mal que d'autres teams. Mais je vais lui mettre un GG lui, je vais jouer une team un peu différente comme ça, ça fait plaisir. En tout cas on a vu de très gros dégâts. Même si c'est pas la team en face la plus représentative de ce qu'on voit en ladder, ça c'est sûr. Ça c'est déjà un peu plus méta. On va prendre les trois mêmes puisque forcément cette team elle est parfaite. Parce que s'il veut jouer Vegito Blue, j'ai un rouge pour le... j'ai un vert pour le contrer. S'il veut jouer Zamasu pour contrer mon Goku, j'ai Broly pour contrer Zamasu. Et s'il veut jouer donc du coup Rosé pour contrer Broly, j'ai Badak. Donc au niveau des couleurs, on est quand même assez bien avec ces trois couleurs dans la team Super Saiyan. On est parti avec ce trio là, de toute façon on peut jouer aucun autre des trois. Donc bon ça aussi c'est le problème, c'est qu'il sait ce que je vais pick. Mais vu qu'il sait ce que je vais pick, il est obligé de switcher couleur pour avoir le contre-type. Et en même temps moi j'ai le contre-type, donc bref on s'en fout mais... On va voir tout simplement. Ça commence avec Trunks. Ça n'a pas... Ok. 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 Ouais, bon, j'aurais préféré tirer autre chose. Ok, alors le crit sur l'étape attaque, ça nous fait absolument pas plaisir tout ça. J'aurais pu mettre Goku, mais bon, il aurait switch, hein. Ah bon? Comment ça? Comment ça? Je sais pas si j'ai encore les boosts de Badak là, c'est ça le problème. Mais je pense pas hein. Dans tous les cas, ça reste quand même très beau. Ça reste intéressant ce qu'on a vu. Ok, le ki est réduit. Le main est balancé comme ça, ok. Ça, ça fait plaisir, on va balancer l'aspect tout de suite. Oh, d'accord. Ok. Ça, c'est touché, par contre, c'est pas bien, ça. Je vais laisser mourir Broly, hein, si jamais. Parce que là, clairement, j'en ai plus besoin, Zamasu est mort. Et je pense pas qu'il puisse le tuer sans Rising Rush, quoique... Ah si, hein, il va y avoir encore 3 strikes, là. Non, c'est bon. Il a bien attendu ici. Bien joué ça. Très bien joué. Ça c'était sûr. Allez adios hein. Allez salut mon pote. Ça par contre c'est pas bien ça. Ok nice. Alors là par contre faut faire attention, il a son Rising Rush hein. Ça fait plaisir. Ok, c'est passé quand même. Bon, le mec attend. Le mec n'a pas l'air de vouloir... hein, on a compris ça. Très bien joué. Très bien joué. Je sais pas s'il s'y attendait, mais là, du coup, s'il y a le Rising Rush... Oh, nice. Ah, mais non, mais son Rising Rush est passé, moi. Je suis con, moi. Et du coup, c'est fini, là. Hein, très logiquement, c'est fini. Bon, alors... La team future avec les trois unités des deux ans.
Ça s'est bien passé, on n'a pas eu de difficulté, on n'a pas eu besoin de Rising Rush. Bon, en même temps, on a pris un kill assez rapidement sur Zamasu. Et le mec, il était pas très enclin à attaquer, donc forcément... Là, ça s'est retourné contre lui, on va dire, mais bon, on a vu des gros dégâts, encore une fois. Une vraie team avec peut-être un vrai joueur. Alors là, je sais pas ce qui vient de se passer, j'ai enchaîné 4-5 games horribles. Deux tricheurs, des mecs qui faisaient des lag switch avec des teams éclatées, donc heureusement j'ai gagné, mais... C'était terrible, et un bot, et un mec qui était en mono bleu, donc mono bleu, c'était pas intéressant. Waouh, la session horrible que je viens de faire de 4-5 games, là. Terrible. Terrible. Donc j'espère que lui, il va pas y avoir de problème. On est sur une team divin, ça fait plaisir. Même s'il n'y a pas beaucoup d'étoiles, enfin, bon, ça va, mais c'est pas la team la plus balèze en face, mais au moins on a un vrai joueur, j'espère, en face, parce que waouh, oh, je viens d'enchaîner 4 games, horrible. Ah, ça m'a donné envie d'arrêter la vidéo, mais bon, faut bien la sortir, hein. Oh là, c'est pas bien ça. Aïe, 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 je vais attendre, je vais en prendre une, et là je switch sur Goku. Voilà, comme ça, là j'active les 50% de dégâts en plus, et lui, même s'il met Zamasu, il pourra quasiment pas enchaîner. Oh, ça par contre, c'était pas prévu, ça. Heureusement, on vient de parfaite esquive. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je sais pas si ça peut combo, ça. Mais si, ça combo, il est bloqué, là, non? Oh, dommage, dommage. J'ai pas regardé son personnage pendant que je faisais ça. Bon, bah déjà, Zamasu... T'es dans la merde, et ça nous arrange, comme ça Goku est relativement tranquille. Oh, quoi? Oh non, mais faut pas Rising Rush trop vite, les mecs. Faut pas Rising Rush comme ça dès le début, quand même. Oh, oh, j'en étais sûr de ça. Allez, ciao, mon pote. Hein. Il a pas Zamasu, là, non? Non, c'est bon. On va lui mettre l'aspect, et ensuite on en aura une autre. Et c'est Zamasu qui meurt, ça nous arrange. Bim, 40% de réduction, combien t'as pris, histoire de voir un peu ça? Oh oui, ça va faire très mal, ça. Oh, ça va faire mal. Oh là 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 là. Bien joué, ça, très bien joué. Et on perd... Ah non, s'il te plaît, le mets pas maintenant. Ah, bien joué. J'aurais dû switch tout de suite en fait, mais en même temps, non, en même temps je pouvais pas trop. Hein. J'ai envie de vous dire. Nice! Ça, ça tombe à pic pour nous. Hein. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Quoi? Vous avez vu mon perso ce qu'il a fait? Il a fait un truc bizarre, il a avancé mais pas avancé. Ok, bon. Ça me. Ok, on a failli perdre du coup. Oh non. Heureusement qu'il se soigne. Hein. Heureusement qu'il se soigne ce Goku. Heureusement qu'il se soigne, et là il a des... Bah ouais. Ok, nice. On va quand même win. Mais c'était tendu, hein. C'était tendu, mais on a vu d'excellents dégâts de la part de ces Super Saiyan. Donc, on va encore en faire une autre, parce que j'ai l'impression que la vidéo dure pas très longtemps. Ok. Et en espérant, là, tomber sur une vraie game comme lui. Parce que là, les 4 games d'avant, je vous jure, terrible. Ok, et je pense qu'on va se laisser sur cette team film parce que j'ai pas envie, là, là j'ai fait, ça va, j'ai fait 4 games éclatés pendant cette session, j'ai pas envie de trop faire de PVP, pour la santé mentale c'est clairement pas worse, j'espère juste que ce ne soit pas un bot, parce que si c'est un bot, je vous la montre pas, mais logiquement, ouais non c'est pas un bot, j'ai chargé avant lui, ok, et team film c'est bien, on aura vu futur, Saiyan, film, et je sais plus quoi, Regen, hein, comment c'est avec Bojack lui? Bah oui, très mauvaise idée, t'es bloqué. Ah oui, c'est quoi ça hein? Ah oui, non mais mon pote, bah oui, non mais wow. Bon, du coup les amis, on va se laisser là, je vais pas faire des games supplémentaires, là j'en ai trop fait déjà pour une seule vidéo, j'ai perdu pas mal de temps, ça fait plus d'une heure que je tourne, c'est déjà trop. Et là, je tombe que sur des games chelous. Je sais pas ce qui se passe dans le PVP, que des games bizarres, alors que j'ai gagné pas mal de points depuis la dernière vraie game, parce que la dernière game, là, c'est la team film. Bon, je vous l'ai mise juste pour que vous puissiez voir les dégâts, mais ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc, on va s'arrêter là. Au final, on a vu de belles choses. On a vu une belle remontada face à une team Regen. On a vu des bons gros dégâts sur une team future ou équivalent, je sais plus quoi. On a vu une team Saiyan aussi. Donc, on va s'arrêter là. Pour ma santé mentale, je veux pas faire plus de games, parce que là, vraiment, je vous le dis... Quand vous enchaînez les games de merde contre soit des lags, des mecs qui lag, et c'est clairement des mecs qui lag, des bots,
des teams nuls. Je suis tombé sur une team, Janemba, Vegetto Blue et un Saiyan bizarre. Et le mec faisait des lag switch, donc c'était un tricheur. Donc bref, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. On a quand même vu de belles choses, donc au final je vous montre tout ça. Mais bon, la team Super Saiyan, je vous conseille pas de jouer ça en haut de classement. Hein. Vraiment pour vous amuser, oui, autrement, bon, c'est un peu à qui tout double. Donc bref, si ça vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. We'll be right back.